Mes chers concitoyens, pour la seconde année consécutive, nous sommes contraints d'annuler les vœux en présentiel. Nous réalisons donc cette vidéo pour vous dresser un bilan de l'année 2021 et vous informer des projets à venir pour 2022. Je suis accompagnée de Virginie Briand, première adjointe de la Commune. Virginie va vous dresser le bilan de l'ensemble des projets menés en 2021. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Je vais effectivement dresser un petit bilan de l'année 2021. Malheureusement, il sera moins développé que ce qu'il ne l'aurait été devant vous à la cérémonie des vœux. Néanmoins, il reflète tout le travail accompli par l'équipe municipale, aussi bien les élus que le personnel communal. Un policier municipal a été recruté en novembre, venant compléter l'équipe de sécurité de la commune, jusqu'ici composée d'un garde champêtre. Les missions du, du policier municipal sont multiples de lutter contre les incivilités et les dangers routiers, de mener des enquêtes et des rapports sur l'urbanisme et l'environnement, et également d'allier prévention et répression en fonction notamment des récidives ou des dangers manifestes. La commune a à cœur de renforcer la sécurité et notamment elle s'est inscrite dans la démarche correspondant Justice Ville en collaboration étroite avec les services du procureur de la République. Un service public de proximité et de qualité est au cœur de nos préoccupations. Un exemple, la mairie annexe de Chéméré a été rénovée et s'est transformée en pôle social de proximité. Elle accueille toujours la banque postale, mais également désormais le centre communal d'action sociale et tous les mardis, mercredis et jeudi après-midi, une antenne de France Service. Courant du premier semestre 2022, la mairie annexe accueillera également les services du département relatifs à la protection maternelle et infantile, avec des permanences du médecin et d'infirmière, de et des services de solidarité, avec la permanence des assistantes sociales. La commune, via le plan de relance, va pouvoir équiper les trois écoles publiques de la commune avec du matériel de vidéoprojecteur, du matériel informatique et une classe mobile dans certains cas. Également, l'achat d'une structure de jeu pour l'école Jean Monnet. Les marchés se sont redynamisés avec des nouveaux exposants et la création d'un nouveau marché sur le secteur de la Cicodet, secteur sur lequel une épicerie s'est installée à l'aide de la commune. De nombreux professionnels de tous horizons sont très intéressés pour s'installer sur la commune et nous avons à cœur de pouvoir répondre à toutes ces demandes malgré le manque de locaux disponibles. C'est pourquoi la commune s'est engagée dans une politique volontariste et ambitieuse d'achat du foncier et des fonds de commerce des centres-bourgs. En 2021 fut la première édition de festichôme une manifestation qui a connu un franc succès, qui a pu réunir familles et habitants autour d'exposants de produits locaux, de concerts dans une ambiance festive, une manifestation à renouveler. De nouvelles associations ont vu le jour, donc par exemple l'association de fléchettes, l'association de palais, des associations qui viennent compléter l'offre sportive et culturelle déjà bien riche sur la commune. Les travaux de voirie engagés en 2020 sur l'avenue Arthus-Princé ont continué en 2021. La restauration de l'église d'Arton est achevée, ainsi que la halle de Raquette. De nombreux autres projets d'ampleur sont à venir et Jackie vous en parlera tout à l'heure. Sans oublier les petits travaux du quotidien menés par les services techniques de la Commune pour embellir et entretenir notre Commune. Par exemple, les travaux sur les cimetières ou l'aménagement des espaces verts. La communication se digitalise avec la mise en place de, de panneaux lumineux euh, d'informations sur le secteur de la SICODE et d'Arton et également un panneau lumineux tactile à la mairie principale. Mmh. La commune est toujours aussi attractive et accueille de nombreux habitants. La révision allégée de nos deux PLU et leur révision complète va permettre la réalisation d'un document uniforme qui va matérialiser la réalité de chaumont en tant que commune nouvelle. Du côté environnement, un travail de partenariat avec Pornicaglo est engagé dans le développement des cheminements doux et également dans la revalorisation des chemins de randonnée. Des sacs de propreté canines ont été mis à disposition dans toutes les mairies. De nombreuses actions pour promouvoir la sensibilisation des questions environnementales ont été également mises en place. Par exemple, l'opération Broyage au service technique ou l'opération Un arbre, une naissance. C'est un sujet qui me tient à cœur car c'est la délégation dont j'ai la charge. En 2021, marquée par la crise sanitaire, la commune n'est pas restée insensible à la campagne de vaccination. Aussi, elle a pu s'associer au centre de vaccination de Pornic et 285 calmésiens et calmésiennes ont pu bénéficier de créneaux spécifiques dans le cadre du CCAS. Également la réalisation d'un guide senior avec toutes les associations qui œuvrent auprès des seniors. Nous sommes la seule commune du pays de Ray à avoir réalisé ce guide senior. Et la semaine bleue, qui vient mettre à l'honneur nos aînés, a été en 2021 véhiculée par une après-midi festive à la salle Ellipse, qui a réuni plus de 120 personnes. Et également le repas des aînés à la ferme aux oies, qui a permis de réunir plus de 175 convives. Pour 2022, je vous souhaite mes meilleurs voeux, j'ai une pensée plus particulière pour ceux qui sont dans le besoin, pour les anciens et pour ceux et celles qui sont seuls. Je souhaite, malgré la situation, et aujourd'hui je pense à la situation sanitaire, que nous restions solidaires, à l'écoute et proches les uns vis-à-vis -vis des autres. Chères chers calmessiennes, chers calmessiens, pour 2022, je vous souhaite bonheur, force, sérénité et courage. Merci Virginie pour la présentation des projets menés en 2021. Je vais maintenant vous dresser les grands projets à venir pour 2022 et l'ensemble des réflexions que nous allons mener durant cette année. Dans un premier lieu, le théâtre de Chéméré, donc dans le domaine de la culture, va faire l'objet d'une rénovation complète afin de le mettre aux normes et de le rendre plus accueillant. L'objectif de la commune est d'y développer un ensemble de manifestations artistiques et culturelles à la hauteur d'une commune de 7000 habitants. La culture est en effet un enjeu fort pour ce qui me concerne et pour l'ensemble de l'équipe municipale. Cet outil contribuera à faire vivre les arts et la culture dans la commune, dans le domaine de l'éducation. Un projet va être mis à l'étude et la commune va accompagner un autre grand projet structurant à l'échelle communale. Il s'agit bien évidemment du collège. Pour ce qui concerne le premier point, l'école Charles Perrault, elle va faire l'objet d'une réhabilitation à des fins de mise aux normes et de mise en adéquation de celle-ci aux besoins de la population. Le bâtiment actuel va donc être rénové, réhabilité et il y aura une extension prévue pour trois classes. A ceci viendra s'ajouter, en partenariat avec Pays de la réalisation d'un nouvel accueil périscolaire. Les dépenses vont donc être mutualisées entre nos deux collectivités pour un service optimal. Pour ce qui concerne la réalisation du collège par le département de Loire-Atlantique, celui-ci devrait ouvrir à la rentrée de septembre 2024. La commune, quant à elle, a à sa charge la réalisation de divers équipements, et je pense notamment à l'ensemble de la plateforme routière, voire peut-être à l'avenir quelques équipements sportifs à ajouter. Nous avons commencé à travailler en 2021 sur cette plateforme routière et nous allons continuer en 2022. Et d'ailleurs, les premiers résultats, les premiers travaux débuteront en 2022 pour cette plateforme routière. Sachant que j'appelle de mes voeux une desserte de ce collège via la route départementale 751. Dans le domaine de l'aménagement, comme vous l'a dit Virginie tout à l'heure, la commune s'est engagée dans une politique d'acquisition foncière dynamique. Afin de pouvoir répondre aux besoins de développement, notamment de nos centralités. A cet effet, nous avons acquis récemment une propriété importante dans le centre-bourg de Chéméré. Il s'agit là de la maison dite Maison Blanchard. Cette maison va faire l'objet d'une réhabilitation dans le courant 2022, dans l'objectif d'y créer quatre cellules de services dédiées aux professions médicales ou paramédicales. Dans une même optique de développement, des centres-bourgs et des services. Dans les centres-bourgs, nous allons également réaliser, dès cette année, une opération de construction de logements qui sera accompagnée de quatre cellules de services dédiées également aux professions médicales et paramédicales sur l'îlot dit de saint cyr dans le secteur d'Arthon. Je n'oublie pas le projet de centre-bourg de Chéméré. Celui-ci a pris beaucoup plus de temps que nécessaire en raison de deux points principaux. Le premier concerne bien évidemment, comme vous le savez, l'archéologie préventive, qui a pris un temps beaucoup trop important à mon goût, mais c'est une réalité, une nécessité et une obligation. Et il fallait également régler quelques problématiques foncières euh, par l'acquisition notamment de deux de propriétés afin de pouvoir réaliser l'ensemble du projet. Ceci étant résolu aujourd'hui, nous allons pouvoir lancer les travaux dès le premier semestre 2022. Enfin, un dernier point, la sécurité, qui est un élément important. À nos yeux. En effet, nous voyons de plus en plus de faits de dégradation, d'incivilité dans la commune. C'est pourquoi, dès la fin 2021, en partenariat avec la gendarmerie et le procureur de la République, une étude a été réalisée afin d'identifier des points névralgiques dans la commune à équiper en caméra de vidéoprotection. Ainsi, d'ici à la fin de l'année, certains secteurs de notre commune seront équipés d'une ou de plusieurs caméras visant à la protection des biens et des personnes. Voilà pour les grands projets de la commune pour 2022, je pourrais vous en citer quelques-uns en supplément et je pense notamment à la réalisation d'un pomme track dans un des secteurs de la commune. Dans le domaine de la voirie comme vous l'a dit Virginie, nous allons continuer à améliorer la sécurité de nos voiries afin de permettre aux piétons et aux vélos de circuler en toute tranquillité. D'autres projets eux portés par Pornic agglomération vont fortement impacter certains secteurs de la commune. Je pense notamment à la réalisation et à la réfection du réseau d'assainissement sur la rue de Saint-Hilaire, secteur de Chéméré, et à la réalisation de l'assainissement collectif dans le village de Haute-Perche. En 2022, nous lancerons également diverses études qui vont notamment tourner autour de la réalisation d'équipements sportifs en relation ou non avec le collège. Bien sûr, toutes les actions lancées en 2021 vont perdurer en 2022 et vont même s'accentuer. Je pense notamment à la mise en place du Conseil des citoyens, au nouveau Conseil municipal des enfants qui a été récemment installé, à la participation citoyenne, au développement de France Service, comme l'a dit Virginie tout à l'heure, sur le secteur de Chéméry. C'est notre façon de vous écouter. Bien évidemment, l'ensemble des élus municipaux et des services municipaux restent à votre disposition et à votre écoute au quotidien. Pour conclure, au nom de l'ensemble de l'équipe municipale et de l'ensemble du personnel communal, je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de sérénité et surtout de santé pour cette année 2022.